Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un omoplate pour aller sur un steamer feu PVP. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ça, donc c'est parti. On va viser du l'exo-pourcentaire. Idéalement, il me faudrait 4% là-dessus. On va déjà essayer de sortir un 3%. Si j'ai que 2% ou 1%, je tenterai un crit de Malsort en plus. Et on va faire, évidemment, vous me connaissez, du double repassage, c'est-à-dire qu'on enlève le PO. On fait du FM sur PUPA et on termine par PAPO. Il faut double succès crit, ce qui est une façon de faire assez ambitieuse, mais ce qui peut potentiellement nous sortir un gros G4%, voire peut-être 5%, qui sait. Voilà. Donc c'est parti, on a 95,4 de puits. Premier PA qui tombe, c'est sur une passa qui me monte à 40 sagesse, ça c'est vraiment la sensation ultime. Les congruences sont incroyables pour faire un full perf là, on peut faire de dinguerie. On va commencer par une Rainée. Moins 30, ça fait un peu mal. On va go par époux derrière. Parfait. En vrai, dinguerie là. Attendez, j'ai 4 de rab. Bon, alors pour la Vita, j'ai envie de Ravi into fuite et pod par exemple. Un truc dans le style. Là, ça, je suis presque embêté que les. Que j'ai aucune ligne, tout est déjà maxé en fait. J'ai un G qui est déjà assez haut. On va go rune tac, hein, je pense. Ça me paraît être le meilleur call. On récupère en plus. Mais écoutez, ça commence très bien. On a perdu beaucoup de puits sur la Rainée, mais on a beaucoup de réussite derrière. Il nous faut juste la Ravée qui passe. Oh, c'est magnifique. En vrai, pour une première, pour le premier puits, c'est un truc de fou. Du coup, on a moins 6. Et là, il me faut une répoux qui passe pas et qui me fait moins 10. Ah, le moins 11 est sad, en vrai. On aura tenté le beau jeu. C'est dommage. On a la pote qui passe, plus 0,1. Ce qui nous fait 59,5. Plus 2,5 en principe. On a donc 62. J'ai donc 10 tentats repair. Est-ce qu'on a le 4% première try? Non, pas du tout. Bon, on a un moins 1 vita. Dommage qu'on ait eu le moins 11 vita, hein, sinon c'était le full perf. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 99,8 de puits. Alors en termes de congruence, là on est vraiment bien. Il faut de la réussite par contre sur les runes. On peut avoir le full perf là. Il va me falloir double ravi. Nice. Double pavie, on récupère le perf. Là, on fait du beau jeu, là. Hein. On est là pour le beau jeu. Plus 0,2 qui vient complémenter les 0,8 que j'avais en rab. On gagne un de puits. C'est une dinguerie. Et là, il faut Rainer into Passa. Et ça fait une merveille, là. Moins 20. Oh là 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 là, c'est tellement beau. C'est exactement comme ça que je voyais le truc dans ma tête. Je vois l'avenir, en fait. Moins 7. On est à 63. Là, on a le full perf. C'est encore mieux que la tenta précédente. Alors, on a 3 en rab. En vrai, si je me suis pas chié, je peux tenter un crit genre prosp. Si je crit, je gagne une tenta. Ok, donc on a 10 tentas repair. Normalement, ça c'est vraiment le puits, genre giga full opti. Et par contre, il faut vraiment pas que je me sois planté. Ok, j'ai eu un crit. Normalement, j'en ai encore une si je me suis pas trompé sur les décimales. Ok, c'était fine. Ça nous fait encore du coup un 3% cette fois-ci sur full perf, les amis. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Encore une belle tenta ici à 99 de puits. On va commencer par la Rainée. Ok, moins 10, c'est pas mal. Alors le problème, c'est que j'ai pas trop de runes qui pèsent le poids que je veux pour enlever mes over. Là, j'ai pas de runes qui pèsent 4 qui sont facilement accessibles. C'est un peu pénible. C'est des runes tac, ça? Ouais. Ok, on récupère. On va passer ça ici. Moins 2. Allez, il faut la ravie. J'ai presque envie de bourriner la pavie en vrai, hein, mais. Ça peut se faire le bourriner pavie, mais bon, bref. On va pas trop faire le con non plus. Moins 20, il refaut une rune tac. Le moins 20, ok, on aurait pu avoir moins 21, ça aurait été un peu triste. On va go repou. Moins 2. Pas ça. J'ai que des full perf. Ouah, ça crit. En vrai, c'est dinguerie la session, là.
pour l'instant. Ok, 65. Il me manque un de puits pour gagner une tenta. Je vais regarder si j'en avais pas un peu de résiduel. J'avais compté jusqu'où? J'avais compté jusque-là. S'il me reste un au-dessus du moins 2 sagesse, là, en principe, j'ai durable. Donc là, j'ai moins 5, là, j'ai plus 1. Plus 1. Plus 4, plus 1. Ouais, non, a priori, je pense pas. Je pense pas que j'ai un drab. Ok. On va essayer de crit une rune chat. Non. Bon, on peut encore tenter des crits et autres, mais. Tant pis. On va go du coup encore 10 tentas. Allez, le quatrième peut-être. Yes! On a eu un crit. On peut en remettre une peut-être pour un 5%. Pas de 5%. Bon, on est sur du full perf 4% là. En vrai, ça peut faire un item ça, enfin, on va pas se mentir. Les amis, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, là, c'est quand même pas mal. Objectivement, c'est marrant, j'étais justement en train d'expliquer au chat que ma méthode PA-PO fait plus facilement des 4% que sans faire comme ça. Bref. Est-ce qu'on a le PO? On a le PO. Ma méthode est complètement validée. Et en vrai, la session s'est extrêmement bien passée. C'est une dinguerie. Les gigapuits qu'on a enchaînés, les magnifiques tentas, c'est assez ouf. Et écoutez, ça faisait longtemps que j'avais envie d'FM en omoplate. Ça faisait vraiment très très longtemps. Je pense que j'en referai d'autres. C'est un plaisir à FM ce truc. Je suis assez bluffé de la session qu'on vient de faire. Là, je sais pas si vous réalisez à quel point ça s'est bien passé. Le jet qu'on sort est absolument magnifique. C'est vraiment c'est mon jet de Fusebook, je vous mens pas. Sur mon Fusebook, j'ai un GPF 4% terre, c'est exactement ce qu'il me fallait pour aller sur mon steamer feu PVP. Écoutez, on a encore un paquet d'items à faire avant de pouvoir reprendre le colis, mais là ça me chauffe bien. Je suis tout content, forcément, comment ne pas être content ici. Écoutez, c'est. Ouais. Le chat qui se régale autant que moi. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est la reprise des streams FM, peut-être PVP, peut-être un peu tryhard. Là, c'est vraiment un beau signe que me fait le jeu en me disant, allez, Grey Fox, viens nous faire des dingueries là, viens nous faire du beau jeu. On est parti. Voilà, c'est la fin de cette vidéo FM, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Très belle tenta PO sur une ménoture 3% near perf. C'est ambitieux. Pas de PO.